capitaine. Si vous appareillez, vous allez mettre en danger votre navire. Libre à vous de ne pas m'écouter. Mais écoutez au moins vos hommes. Nous quittons le port de suite. Rien n'empêchera cette cargaison d'arriver à pas d'hiver. Surtout pas une bande d'hommes lézards. Qu'est-ce que vous fabriquez tous? Toute voile dehors! À vos rames! Ce fou risque un navire qui vaut 10 fois le prix de sa cargaison. Et pourquoi? Pour la misérable prime que lui vaudra une livraison rapide. Mais pourquoi? Les hommes lézards sabotent tout navire qui arrive à Grand Roche, où on sort. Quant à l'aigle des mers, là il a déjà dû être réparé 3 fois. 3 fois! Ce bon capitaine est cinglé. S'il croit qu'il pourra quitter le port sans attirer l'attention des hommes lézards... Maître des quais, regardez! On dirait que les hommes lézards ont encore frappé! C'est assez simpliste, mais c'est très bien fait, je trouve. Et je pense que c'est une leçon pour nous tous. Quand je dis qu'il est trop dangereux de partir en mer, c'est que c'est le cas. Bon, les gars, tâchons d'aider ces pauvres marins. Espérons que les hommes lézards vont les laisser regagner le rivage. Désolé, mais j'ai pas le temps. Demandez plutôt à un autre marin. Il devrait pouvoir vous renseigner. Eh bien, dis donc. Oh, c'est beau. Eh, regardez ça, franchement. Regardez ça. Je peux pas aller plus loin, mais regardez, c'est quand même beau. Ah, j'aime bien. Alors, donc moi, je viens de là. Donc, il y a Patriarche, Capitaine, Eldarion, la carte du monde, la maison et les docks. Ok, parlons un petit peu à tout le monde. Au maître des quais. J'ai dit parler. Ok, occupé, villageois. Bon, villageois me diront rien. Le marin. Très bien. Donc ici, je pense pas que je vais trouver quelque chose. Ah, Grishmak. C'est bien ça? Grishnak. Pardon, excusez-moi. Quelque chose à me dire? Il est pas ordinaire, votre groupe. Vous voulez quoi? Nous cherchons. Que se passe-t-il ici? Pas de bateau pour pas d'hiver. C'est comme ça, fini les bateaux. Tant que les problèmes avec les armes ne seront pas réglés. La gare, l'aigle des mers, encore une fois, la dernière fois on a posé des filets autour de la coque. D'où viennent les hommes lézards? Personne ne sait, village, je vais faire son enquête, le capitaine, les rumeurs de la taverne. Mais que dalle. Les pecnos sont sur les dents, il y a un villageois qui a disparu la nuit dernière, il y a un tas de ragots qui circulent, blablabla. Où puis-je trouver le patriarche? Ok. Où est l'auberge? Il faut que j'aille, il n'y a pas d'hiver, je ne sais pas. Oui, bon, d'accord, hein. Ok. Oui, ok, bon. What? Ah, c'est un panneau. Oui, c'est juste un panneau, excusez-moi. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? J'explore un petit peu, je visite Grand Roche. Je pense que déjà, je vais couper pour la clairière de la Vierge. Ça va être très très court, ça durera juste 10 minutes. C'est pas grave. C'est juste pour moi, voir où j'en suis. Mais là, je vais explorer Grand Roche. Villageois, donc lui ils font des allers-retours, ils sont un peu kéblo. Si jamais vous avez des conseils, j'en profite pour le dire maintenant, mais il faut le dire maintenant, abonnez-vous à la chaîne hein, pour ne pas rater les contenus, tout ça. Je le dis maintenant parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire. Abonnez-vous, follow, tout ça. Ça c'est une maison, ça c'est une vache, une poule. Ah, on peut pas rentrer dans les maisons, dans certaines maisons comme dans le premier. Ah, c'est dommage. C'est ça qui faisait un petit peu le charme du... D'accord, il a disparu. Qui faisait le charme du premier jeu, tu pouvais rentrer dans toutes les maisons. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte que c'était un peu chiant à faire de modéliser l'intérieur de certaines maisons. Voire de quasiment toutes les maisons. Bonjour fermier. Ah, bah écoute, si la récolte est bonne. Petit garçon, petite fille, donc s'il y a pas de nom, c'est pas intéressant. Là-bas, c'est la sortie de la ville. Ah, il y a des gens là. Malek. Alors, des affaires. J'espère juste. C'est pas tout à fait ça. Oui.
d'activité, un assortiment de tout premier choix. Est-ce que il y a un mot, qu'est-ce que c'est-il un grand roche? On va essayer de d'en apprendre un petit peu plus. Une petite armée à vous. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as à vendre, tiens? Ouais. Bon. Je vous skip les passages des marchands. C'est pas très très intéressant. Puis au moins ça va un petit peu plus vite pour vous. D'accord. Alors, regardez. What? Vous avez certainement oublié. Peut-être. Votre aide. Nous avons encore perdu quelqu'un. Ah. J'écoute. Il y a toujours notre fils Andrew affilé vers les ruines du château de Grand Roche. Ok. D'accord. Ils ne sont pas revenus. Non, ça fait plusieurs jours. Nous avons demandé au patriarche. D'accord. Ok. Le Juni est parti en ruine chercher les pierres pour très chaleureux de ne pas quitter le village. Ok. Je pars à leur recherche. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai savoir. Pour moi, on va rester là-dessus. Eh. Oui. Putain, mais arrêtez de jamais être content, vous. Oh, c'est pour les quêtes. C'est pour le spectacle. Ah, non, reviens là, toi. Alors, je suis Dario. Je suis besoin d'une armure. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. J'imagine mes clients ne sont pas les gens. Ah, ah. Un gros client dans une grosse ville. Ok, bah fais voir un petit peu ce que t'as. Je vais rien prendre. Je suis désolé, mon pote, mais pas ouf, ouais. Pour le moment, moi, j'achète pas grand-chose. Villageoise. Oh, très belle villageoise. Là, j'y suis allé. Oui. Ok. La maison de part. Ah bah tiens, on va y aller à cette maison qui est là-bas. Part. Eh bah, écoutez, c'est parfait. Donc, c'est le patriarche, je pense. Bonjour. Que se passe-t-il? J'entends des bruits qui proviennent de chez moi, des voleurs sans doute. Ok. Très bien, très bien. Ah. Ok, bon, et bah écoutez, on va faire une petite quête. Moi, je prends mon temps sur ce genre de jeu. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais tant pis. Des os, pas des os. Moi, j'aime bien. Puis bon, ça fait de l'XP, un petit peu. Allons-y. On va quand même voler des trucs, hein. Soyons pas des radins. Alors, grande maison. Salut les mecs. Ouais. C'est bon les gars, la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre, mais je sais pas viser quelqu'un. Alors c'est la bagarre, mais personne ne vise comme il faut. Putain, c'est la pire bagarre du monde en fait. Je me charge de lui. C'est la pire bagarre du monde. Oh putain, c'est merde. Ouais, alors, ce qu'on va faire. Non. Ce qu'on va faire, c'est que c'est la pire bagarre du monde. On va pas faire ça tout de suite. Enfin, si, on va recommencer une deuxième fois. Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux, hein, d'un peu plus organisé. Le mot qui va poser problème ici, c'est organisé. Donc bla 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 bla, hop là. Voilà. Allez. Voilà, et voilà. Non, elle va mourir. Hop, 24, allez là, 24.
Enfin, je vérifie que tout le monde est encore en vie. Hein. Là, vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux. C'est plus organisé. Il y a un an. Que quelqu'un me protège! Que quelqu'un me protège! Plus un geste! Ouais, que quelqu'un me protège! Ah mais il résiste ce marin là. Et B. Bon. On y arrive. Cimetière en argent alchimique. What? Bah prendre. Bon. Oui. C'est un petit peu mieux, c'est juste. Ouais, à chaque fois c'est un problème d'organisation, c'est normal. Bon, eh. On va pas en rester là. On va quand même chercher quelques trucs. Hein. Tiens, un meuble. Eh, quand même. Oh. Je suis pas un simple mec tout gentil. Une Alexandrie, trousse de premier secours. Très bien, très très bien. On explore un petit peu, on regarde ce qu'il a chez lui. Hein. Moi je veux bien être sympa, mais quand même, eh les gars, oh. Faut pas se foutre de moi non plus. Eh. Quand même. Oh. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Mais dis donc. Oh, c'est un très beau tableau. Je suis toujours pas renseigné sur les tableaux si c'était des vrais gens ou des trucs qui ont été faits par les. Par les devs. Oh oh, outil de valeur plus 6. Mais dis donc. Ah, Nishka trop forte. Nishka, t'es trop forte. Oh là là. Tu voulais de la tuile? Regarde ça. Qu'est-ce qu'on a? Un anneau. Un anneau de résistance. Et un petit rubis. Eh ben écoutez, je pense qu'il s'en souciera pas. Au pire, on dira oh non, c'est la faute des voleurs. Ce n'est point ma faute, c'est celui des voleurs, je suis sûr que c'est eux les coupables. Alors on va bargouiner un truc, TKT, ça va. Moi franchement j'y crois. Ah oh, des marins étaient en train de vous cambrioler, ils avaient pas l'air d'humeur. Alors non du tout. Quelques potions. Oh putain, quelques potions. Alors, ça va, j'ai pas tout cassé. Waouh, mais trop bien. Deux rapidités, deux endurances, deux soins importants. Alors ça, c'est... Ah bon, d'accord. Bon, bah, c'est... D'accord. Ok, bon, bah, c'était une quête. Écoutez, c'est... Y'a Edario, ok, le Capitaine Flynn. On va parler au Capitaine Flynn. Oh, c'est le capitaine. Le marin. Capitaine, attendez, parce qu'il y a plein de gens là d'un coup. Le marin, la taverne, bah, juste là, on va y aller, on va aller faire un petit tour. J'essaie de donner mon chagrin. Êtes-vous le capitaine? Oui, d'un navire chaud pour. M'aider à rallier pas. Des gunes toujours à l'eau, les fermiers. Oh là là. Oui, ça d'accord. Qui est responsable de cette attaque? Des hommes lézards, ok. Oui, j'ai posté des gains de gens. D'où viennent ces hommes lézards? J'en sais rien. Le patriarche, mais le vieux. Alors, ok. D'où connaissez-vous mon père? Ok. Alors, oui, ces hommes lézards. Empêcher les attaques. Ouais. Puis je pourrais essayer de faire essayer le patriarche du village. Ouais. Bon. Je peux pas aller à la taverne. Oh, ça m'énerve. Bon, il faut que je trouve le patriarche, du coup. Bonjour, madame. Salut. Fichez-moi la paix. Est-ce que patriarche, c'est pas... Oh là là, mais il est trop fort. Regardez, il trouve tout seul. Où aller? Alors, patriarche, non, c'est juste là. C'est ici, normalement. Je suis en train de me perdre. Est-ce que je suis réellement en train de me perdre?
J'avais pas une boussole quelque part d'ailleurs. Le sud, le sud, le sud. Je suis complètement en train de tourner en rond là. C'est assez triste ce qui se passe. Ah voilà. Julie, bonjour. De grâce, je fais de mon mieux, nous ne pouvons risquer d'explorer ces ruines. Oui, blablabla. Ok. Ok. Oui. Oui, Ok. Ouais, nana. Je voudrais parler de la façon. Oui. Y a-t-il quelque chose que... Oui, bon, non. Peut-être lié avec les hommes lézards, ok. Je m'en vais m'en occuper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, ça. D'accord. Par où commencer? Les hommes lézards concernent les attaques sur les femmes situées en dehors du village. Ok, la seule fermière qui reste, c'est Shannara. Que même les attaques n'ont pas pu lâcher cette affaire. Mais bah dis donc, quelle femme incroyable. Allez donc là-bas pour commencer. Très très bien, je vous souhaite bonne chance, j'espère vous revoir sain et sauf. Très très bien. Bien, et ben on a tout ce qu'il faut pour le moment. Alors, ça on enlève, ça on enlève. Alors du coup, on doit enquêter là-dessus et on doit enquêter là-dessus. Donc... On doit aller dans les ruines et en même temps on doit aller parler à la fermière. Du coup, on va sortir du village. Et en même temps aller parler à cet homme là-bas. Qui semble être bien seul. Les gars, ce qu'on voulait les gars. Bonjour toi. Toi. Je veux te parler à toi. Non, je parie que vous êtes des aventuriers. Vous êtes qui? Un nom bizarre, j'en sais rien, ce qui m'a donné, mais j'ai se lâché, mais... si on peut pas... Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai embauché pour monter des alentours de grange, les assurantés, et m'en faire plus d'argent que j'en ai reçu, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Ces gens m'ont donné que la moitié de ce qu'ils devaient avant de partir et faire un château en ruine. Ah bah dis donc. C'était il y a une semaine. Eh ben, je vous fais signe. Eh ben écoutez, tiens, c'était étrange. Mais c'est étrange tout ça, plein de gens qui disparaissent. Dans un château au nord. Transition. Alors, je n'ai pas encore accès, semble-t-il, à cette zone. Du coup, nous allons à la ferme de Chandra.